Bonne nouvelle, la police nationale d'Haïti pote l'espoir pour moun peigné, moun torsel, moun route frère, moun meilleur, moun doko, gang vite l'homme a terrorisé. Porte-parole la police, Gary Desrosiers matin, c'est parti causer le palais, ou pral gagner tout détail ça ou ak pilote. En plus c'est formage ça gagner 10 millions de goud, la police nationale d'Haïti mette sous tête chef gang vite l'homme après FBI lui-même te fin mette yon million de dollars vert derrière chef gang notre aussi là. L'autre information, jouk nan moment n'a parlé à la, genye avion patrouille CP-140 Aurora qui toujours dans le pays d'Haïti. Et dossier ça fait en pile, parler en pile, genye ancien colonel Himmler Ebu qui lui-même li prend position dans dossier ti avion militaire de patrouille ça qui en Haïti. Et pour ancien colonel là, il fait connaître que pays Canada passe nous dans tintin. Pas une question et opération militaire qui a mené vrai, c'est bluff, c'est maniguette. Ou même dans un petit moment, on va le gagner pour dire qui sont pensés sous déclaration colonel Himmler et Buffet. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous ensemble, pour nous continuer par les pays, pour nous continuer, pour des informations pour vous, pour nous garder qui a venir, qui gagne, qui plan B, qui a gagné pour PNH. Non, ça qui gagne pour vous avec sécurité en dedans pays d'Haïti. Si vous faites tomber sur le channel, pourquoi abonner, activer la cloche notification, comme ça va prêter connecté avec nous, ou pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. C'est un véritable plaisir pour nous parler pays, pour nous faire débat. Sans perdre du temps, n'a pas rentré dans l'information, puisque l'information est en pile, dossier est changé, et journée jeudi là, c'est occasion pour le Premier ministre Ariel Henry et installer 3 membres à CTO et t'es gagné plusieurs et copies invitation qui arrivent joindre moi. C'est bagay gros causé, bagay et grand l'âme de l'imena qu'a fait en dedans l'état là, journée jeudi. Pour un pile moun li clair, pas de doute sur ça, noir sur blanc. Gang vite l'homme, gang kaze barrière sont gang détaillé. C'est l'État qui crée gang ça, c'est l'État qui instaure gang vite l'homme, journée aujourd'hui, qui l'a gagné dans des gwen population. Qui l'a gagné dans des gwen moun out frère, moun peigné, moun torsel, moun meilleur, etc. Moun meilleur. Gang ça, qui a terrorisé moun journée aujourd'hui, qui gagne dans tête li, vite l'homme innocent son gang détaillé. Sinon, il est facile pour autorité l'État assumer responsabilité. Parce que quand éviter l'homme choisi pour l'implanter, pour prendre contrôle l'autre frère, prendre contrôle torsel, prendre contrôle peigné, prendre contrôle meilleur, prendre contrôle métivier, doko, etc., prendre contrôle public, c'est quand on paquet autorité dans l'État arrêté. On parle de public, ancien président arrêté là-dedans, ancien président privé arrêté là-dedans. On parle et côté dans zone quand éviter l'homme. Ta kidnappé directeur CNE en Kinton Louis. Mamdou, zone ça. Pas grand pile kay, c'est bon zone qui habite lié. C'est zone côté que gen un paquet ancien officiel qui rete, ancien DG la police. Gen ancien premier ministre qui rete dans zone ça. Dat neg yo en l'air. Dat gang vite l'homme na frappé en l'air. Donc, le bagay la poko rive. La kayo, le bagay la poko rive en dan chanm yo, li pa inquiété, ou li pa un problème pou yo, parce que tout nèg gon nèg. D'ailleurs, si yo dou gang vite l'homme nan, ta sans son gang détalié. Ta sans son gang l'état, autorité en dedans l'état créé. Donc, li pa difficile pou yon identifier l'autre. Li pa difficile pou yon kon l'autre. Joune jodi, hein? Nou bon gang, nou bon groupe nèg aksam ki occupe yon pa. Quatre zones stratégiques côté gen gros autorité rete la dedans côté gon paquet nèg ki nan l'état qui gen pouvoir dedans pays en rete la dedans yo kite nèg la vale terrain yo kite nèg la prend tout gen toute puissance ça gen tout pouvoir ça en dedans pays an koun yo pral wè c'est kounye a yo besoin démanteler gang vite l'homme c'est kounye a yo besoin finir avec gang vite l'homme mette fin nan carrière criminelle vite l'homme ou parle par exemple vite l'homme occupé Wout Frère. Mais Wout Frère, c'est pas Académie Police. Wout Frère a commencé. Wout Frère a commencé Pétionville, dans la station Pétionville, arrivé à Académie Police. Vite l'homme contrôle Torsel, sorti Académie, aller sur Wout Torsel. Vite l'homme contrôle Pernier, sorti Académie, descend Pernier. Vite l'homme contrôle Mayotte. Vite l'homme contrôle Métivier, vite l'homme qui contrôle en dedans Vivi Michel, kounye entendez gros pratique Vivi Michel, chaque soir nèg aksam rentre
a vinn tirer, a vinn faire moun peur, a vinn fouiller comme. Et c'est une des raisons vite l'homme besoin qui contrôle et Belleville. Li besoin qui contrôle route Belleville ou Torcel là qui entre Belleville là. Parce que le connaît qui ça le fait. Et gros paquet autorité, gros paquet nèg dans l'état qui t'a peut-être l'un avec vite l'homme parce que yo té soif pouvoir, yo té besoin pouvoir, yo té besoin prendre pouvoir sur Jovenel Moïse, journée jodia qui mette qui contribue dans mette pays là. C'est même yo même encore qui allié Ariel Henry, qui collègue Ariel Henry, qui contact Figaro avec Ariel Henry, ou tande kap dou CSPN a monté opération, CSPN a mette plan stratégique pour aller attaquer, pour aller démanteler, pour aller rentrer dans 6m50 chef d'homme vite l'homme. Matin, m'attendé et porte-parole la police en Gary Desrosiers qui t'a parlé. Li vinn vann population, li vinn vann peuple en l'espoir côté que la police a fait tout ça yo konnen pour yo démanteler gang vite l'homme non. Et c'est pas seulement effort la police a fait, la police doit poser des actions pour arriver démanteler base vite l'homme etc. Et que hier opération menée, yo arrivé rentrer dans une base principale vite l'homme bien et dans permis etc. Mais honnêtement, est-ce que dans le moment la police t'a pral mener opération, yo te gen feedback que vite l'homme te dans base? Ou bien yo konnen gen information même, information qui précis, gen bien longtemps dans base côté la police a cherché vite l'homme, yo vite l'homme bala. Est-ce que information ça au DCPJ pa gen yo, bureau affaires criminelles pa gen yo? Comme si c'est vrai la police, faut que la police travaille, faut que la police mener opération démantle les bandits, démantle les gangs etc. Mais tout quelque part là ouais. Là ouais, c'est en dedans la police. Yo choisi consciemment pour y passer peuple là tété. Pour y passer ça me connaît en figu peuple là. À un certain moment de la durée, faut nous réfléchir pour nous dire moun sa ou ki nan tête PNH, il faut qu'il assume responsabilité. Parce que journée aujourd'hui, mettez 8 chefs d'accusation sous do vite l'homme, je n'ai pas gardé dans la vidéo recherche, OK, c'est correct. Mettez 10 millions de gouttes sous tête vite l'homme pour tout le monde qui t'a gagné information pour bailler sous vite l'homme. Premier bagay, qui confiance population gagne dans la police, ça c'est nos policiers, nos responsables la police, yo, même responsable la police yo qui gagne grave accusation sous dos comme quoi yo fait alliance avec bandit tant que ça se passe dans sa vie la 25 janvier passé côté nou c'est faute nèg qui responsable de l'institution la police qui voyait policier al mourir kounye a ou une information yo mette numéro, yo mette 4 numéros disponibles là pour t'arrêter pour bailler information sur gang vite l'homme qui a sous connait bailler information. Et d'ailleurs gros paquet nèg dans l'état là tout dans téléphone avec vite l'homme yo ka bailler PNH information, yo gen information déjà dans main yo code vite l'homme caché, yo gen information dans main yo code vite l'homme, yo gen information dans main yo tout ça yo ka fait pour river prendre vite l'homme mais yo pas fait. Tant que hier l'opération qui fait pour aller chercher vite l'homme et la police d'où il rentre dans principale base vite l'homme gagne dans dernier. Pas le problème, bravo. Bandit tombé, bandit stoppé, il encore mieux parce que vite l'homme plein nèg dans base et pépinière ça cap grandi dans gang vite l'homme non. Si la police te ka levé bon matin yo stoppé tout, il ta bon pour population au moins moun yo ta pral on souffle. Mais bon, l'autre bagaille, dans le moment la police t'a fait et opération, t'a mené opération, qui ça service de renseignement yo te dit? Qui ça service de renseignement? Est-ce que vite l'homme dans l'area? Est-ce que vite l'homme dans la zone bénie? Ou bien vite l'homme ton l'autre côté, li t'a pris, t'a tendu à distance, coup de balle qui a pété. Li t'a tendu à distance, opération la police t'a mené dans la base. Parce que c'est extrêmement important, c'est la situation ça, c'est la opération qui a mené, ou pral wè qui importance qui gagne, le bon l'argent qui disponible dans le ministère de la justice pour renseignement, pour la police, pour renseignement de DCPJ, faut que l'argent ça joigne moun ni supposé à joindre pour yo faire service de renseignement, pour yo joindre information sur gang, information sur bandi yo. En plus, il faut poser cette question. Est-ce que en dedans la police, il y a des gens qui là pour faire infiltration, des gens qui là pour faire filature, etc. Parce que on dirait, nous tellement dans un paquet de rumeurs, un paquet d'informations qui circulent, qui partagent, sur un paquet de policiers qui n'ont gang, un paquet de policiers qui bandit. C'est comme si policiers l'ital font infiltration et puis sont dans des li tellement remé job gang, non tellement ouais gen l'argent qui brasse dans groupe gang et puis tout était là. Li important je ne jodi an pou 25 fèt an dedans la police an. Yo bon zanmi k ap pale avèm parce que yo tande gen avion et militaire de patrouille canadien qui toujours an dedans pays. Di ouais,
Ouais, bon, même Yannick, même l'homme t'attend de ou bon opération pour le mener. France LB dans machine avec étranger pour le mener opération pour aller démanteler gang en Haïti, m'pap quoi. M'dis, ça fait ça. M'dis, mais t'as mieux ou t'en de aller démanteler gang, bandit tombe, etc. Elle dit non. Trois nègres corrompus en dedans PNH. Gen trois nègres dans l'état-major la police qui a liquidé, qui a vendu information à chaque fois qu'il y a opération qui a fait, yo fait bandit ou la répié. Gen zone stratégique ou kon tande la police rentre, la police débarque nan bazon bandi, nan bazon chef gang, et puis yon jeune soldat la ou pas jeune chef gang. Yon joué nan paquet lot ti soldat la, et habituellement chef gang nan toujours nan bazon, depuis nan zone nan se la toujours yé, jou la police débarque al bala, drôle de coïncidence. Mais dis c'est ça, gros paquet coup de bac à prendre dans la police, c'est même nèg yo qui nan état-major qui a planifié opération, c'est yo même encore qui tout est bandit. Donc pas étonnant la police mette 10 millions de gouttes là sur tête vite l'homme et puis vite l'homme lui-même l'a doublé. Li connaît gros policier en dedans tel branche là en dedans PNH qui ka gen information sur lui et puis s'attendait à soit li assassiner ou bien tout l'a doublé l'argent. La double l'argent. Est-ce qu'on est dernière fois la police te monté dans la zone la boule 12 pour janvier? Yo te arrêté chef gang Timakak. Ou pas connait ou pas connait information ça d'autant par un monde qui gagne qui partage avec vous. Policier monté dans la boule 12 almené opération. Yo dou, yo joine l'autre yo te mettre son chien yo joine vin avec chien. Et puis la police arrêté chef gang Timakak. Yo arrêté Timakak, tout moto Timakak, et puis après ça, Timakak pral libéré. Qui est-ce qui libéré? Qui est-ce qui libéré? Sous prétexte policier qui t'a arrêté, yo pas connu si c'était lui. Yo pas connu visage Timakak. Vous entendez? L'important pour en dedans la police, c'est vetting qui fait, gen passé mais qui fait. Le rapport a sorti au dou, gagne 30%, 40 policiers, et 40% policiers, 50% policiers qui n'ont gang. En pile fois, li pas impossible. En pile fois le pas impossible parce que avantage gang a bay bandi, avantage gang a bay policier, mauvais policier, policier criminel corrompu yo, la police sa pa bayol. La police sa pa bayol. Moi même m'apprend gen des série de nèg qui tout est dans la rue, des série de passer dans station moto, gen chauffeur moto tande tout est. Gen moun ka fè soulier yo, ça ne rele chan yo qui nan tout est, machine gang nan tout est. L'autre, autant de nègres à l'autre, son kidnapping, nègres à 500, li gen 1000 dollars américains à toucher. Ou pensez nègres ça, si la police pas son façon, yo arrête ou bien yo met domine en gel, ou pensez pays à jambon? Ou pensez pays à jambon, n'a jambon gen la paix avec bandit, avec gang, kap terrorise nous, kap touye nous, kap kidnappe nous? Trois mauvais grains, trois facilités pour nègres faire l'argent. L'argent facile, c'est lui-même qui motive moun yo kounyan. Tout moun envie bandit, tout moun envie rentrer dans gang. Et kounyan, lè yo arrête Timakak, yo fin libéré Timakak. Qui so pral di population? Qui so pral di moun Thomasin? So pral di moun Laboul? So pral di moun Keskov? So pral di moun sa rap kidnappé? Pour week-end non seulement, nare a Petionville, Laboul, Thomasin, ge plus passe 12 moun bandit, gang Timakak yo levé, yo kidnappé. Donc nous ouais qui travaille la police gay, c'est pas intention, c'est pas cracher sous travail PNH à faire. Non, au contraire, c'est nous-mêmes qui pour bail travail PNH en j'arrête, c'est nous-mêmes qui pour faire bonne publicité pour la police. Hein? Oui, la police a mari bandi, y a traqué bandi etc. Mais tout faut pas bail peuple menti, faut pas ba nous anana pour Suzanne. Pas d'attaque FBI met 1 million de dollars sur tête vite l'homme et connait pas compte vite l'homme. Ou pas 100 millions de dollars américains, ça, li pa bat zizion paquet nèg ki nan l'état. S'il te facile comme ça pour te prendre vite l'homme. S'il te facile comme ça pour te prendre vite l'homme. Bon, garanti la police t'a gete prendre vite l'homme. Mais c'est tellement gè traite nan politique. Le opération pral monte nan CSPN. Mob CSPN gete konnen. S'attendé à la nèg ki allié ki proche Ariel gete konnen. S'attendé à la vite l'homme gete konnen tout. Oh, André Michel ta chita nan réunion invité l'homme pour opération mené pour vite l'homme bakone. Et dossier André Michel là. Ou besoin de prendre la rue? Et dossier ancien sénateur, besoin de prendre la rue? Dossier proche pour voir qui kon chita invité l'homme. Ou besoin de dossier ça ou prendre la rue? Donc, travail PNH, c'est un travail qui est extrêmement difficile, mais li autant important nous-mêmes tout pour nous aider à comprendre des séries de bagages qui passent en de l'institution de la police qui méritait pour nous mettre lumière sur eux. En nous tendant, comment ça te matin avec porte-parole la police, Gary Desrosiers, qui a nous plus de détails.
description de situation de zone yo un peu partout, des zones de foyer gang, et on bien dit que la police vient pratiquement yon ensemble de bagay nan men. Effectivement, nous conscients de responsabilité non ensemble ça, bien que nous dit que et sécurité n'a pas simplement une question de police, il faut gagner tout secteur qui besoin avec nous, mais et concernant nous-mêmes, nous encore déterminés, nous encore motivés, justement pour que nous capables de faire face à les responsabilités que nous gagnons dans les chaînes sécuritaires. Et j'ai encore fort présenté de cap que la police gagnait, et surtout opération Tornade 1, hein, et dans zone qui vient pour tout quoi débouquer, notamment Torcel, côté que et ensemble de bandits et qui eux-mêmes tout et basé là et qui n'ont peut-être l'idée de l'homme et au côté de cité lui et côté que DCPJ et tout est pour avis de recherche côté que il a recherché initiativement et il a même demandé et à tout le monde qui a aidé que ce soit mon au niveau population hein, même au niveau policier autour et ils ont somme de 10 millions de goudes et ils ont somme de numéro de téléphone hein, qui est là et qui vont soutenir un titre justement qui a géré le capitaine d'appel nous et pour que capable d'abord et tenter ça nous dit en tout à l'appel nous et puis tout pour capable tout et avancer avec c'est 29 48 14 14 29 95 14 14 29 98 14 14 et 29 99 14 14 permettez nous mettre un numéro ça c'est 4 numéros lieux 29 48 14 14 29 95-14-14-29-98-14-14-29-99-14-14. C'est 4 numéros à l'eau et qui est pratiquement aménagé pour que nous capables d'établir contact avec le monde justement qui a aidé nous et même des policiers tout arriver et mettre main et dans collecte et vite l'homme innocent et conduire dans la justice. Je vais donner plus de détails sur l'opération, ça, mais concernant la vie de recherche, là, il y a des gens qui peuvent la police information parce que ils disent qu'ils ont des informations, les bandits, et connaissent ça, ils disent la police. Ou au courant de ça? Bon, on connaît que les situations, par peur que nous sommes capables de dire la vérité. Et nous tendons ça effectivement par voie de presse, et nous ne pouvons pas parler de ça, et nous disons nous comme ça que faut être confiant dans l'institution. Hein. Et nous croyons que nous déboussons nous talent pile pour que nous capables et permettre de créer confiance pour la population. Et tout on manque de confiance en population de police, mais est capable de créer des problèmes et nous ne pouvons pas profiter de ça, c'est des bandits. Et bon côté par nous, toujours la paix travail de manière pour que nous capables de maintenir confiance à et si tout à fait à gagner des écarts au niveau de la police, notamment au niveau de la station générale, il y a tenu compte de ça pour que nous une correction. Mais et ensemble des numéros ça, que nous baillons, quatre numéros ça, que nous baillons, c'est des numéros qui permettent que la population touche nous et pour que la population, que les policiers tout touche nous et pour que nous capables d'arriver ensemble, pour que nous arrivions à mettre main et nous collecte et vie de l'homme. Qui lui-même est impliqué dans plusieurs actes déjà, et notamment gagner sa culture là au niveau militaire. Unité, plusieurs blindés déployés pour nous et aller dans la base Vite l'homme, opération finie très tard hier soir. Pour qui bilan? Alors, on ne connaît pas pour le moment à son bilan exactement de sa mission, mais ce qui est important, c'est d'abord. Et arriver dans Baga et n'arriver de côté et que ça dépend du temps pour nous et nous par exemple nous prenons une base Estrella écoutez que nous joignons des plusieurs masses c'est une cabine tout ça qui entreposent dans Zanzaro d'arriver et les policiers ont été très motivés et nous profiter justement antenne et Radio Caraïbe pour que nous présenter et compliment nous félicitations au commandement et notamment et du commandant-chef de la police nationale de CB à un policier Sahelot qui pratiquement qui fait qui n'a eu tard qui dans toute unité spécialisée qui pratiquement mettait l'eau en quatre et convergé tout et fort l'eau et détermination pour que le capable de traverser ça pour nous permettre justement population la longue souffre parce que bien longtemps et population a souffert de l'ensemble de bandits et nous t'en décrit population et on connaît que au niveau de la police nationale
et malgré tout effort que nous fait ensemble les mains où qu'on est que et vitale situation on foyer des gangs un peu partout et je vous dis tout à l'heure sollicitation de la police un peu partout là gagne un SOS là un SOS ça m'a dit vraiment une mobilisation tout ton matériel tout équipement également tout leur personnel et pour capable faire ça. C'est vrai qu'au niveau zone ZA, nous avons pratiquement optimisé et tout équipement, nous, matériel, nous, et cap nous vers zone ZA pour que nous sommes capables et permettre que nous capables d'arriver et éclater, voire même éradiquer de gangs ZA, réseau de gangs ZA et régler nous ZA et conduire devant la justice. Commissaire Desrosiers, généralement, vous reprochez la police. Et de Sambral Zoulala dans le cadre d'opération sa yo, la police qu'on arrive dans l'espace côté gang yo yé ya, la police gouma gang yo, mais après ça la police fait back et gang yo même yo fait représailles et ces populations civiles dans la zone qui paye ça. Jodi a la, pendant qu'on a parlé là, le matin lundi 6 février 6h39, est-ce que la police toujours dans zone côté vide l'homme ak monsieur yo cantonné a ou bien la police de yo men li encerclé dis nous qui sa situation yé ou bien la police juste rentré au bercail et moi apprécie qualité question là je comprendre que il y a une stratégie là dedans et la très difficile publiquement pour que me exactement et qui côté des forces de police et que ce soit une présence de policiers en uniforme que ce soit une présence qui sont en uniforme alors la plus vraiment difficile et sinon et c'est tout dit et alors nous avons une mauvaise intention et mais pas dit publiquement mais nous tenons compte de et ensemble considération que la population et par voie de presse que vous dit et que la police soutient dans une zone non tout ne fait pas aille mais ça c'est tout à l'heure fait du monde a dit que c'est une question qui c'est tout un système et il faut tout plusieurs éléments et Macron est avec nous pour que nous capables d'arriver maintenir parce que l'autre des zones géographiquement en train de côté, c'est en dans des déserts, de côté qui est abandonné, et pas de courant, pas de route. On ne pas qu'à nous plutôt pour exposer des vies de policiers là-dedans. Mais nous tenons compte de nos actions, et de côté, et justement, que pas trop de côté, il y a moins d'affaires, de manière pour que nous sommes capables d'aller. Mais on connaît que Jean Doulin, et sans que nous toujours dîner, et pas que nous appelons. Et nous cherchons une façon pour que nous déresponsabilisions nous, à savoir de matériel, parce que c'est du matériel que nous avons là-haut. Ça a justement que nous avons fonctionné. Et ça fait que nous parlons d'optimisation. C'est-à-dire nous obliger et tenir compte de ça nous avons là et puis pour nous concentrer au bon matériel équipement pour que nous puissions travailler d'une bonne manière. Dans l'opération, tu as gagné un voice qui a circulé DG, CNEA qui était en détresse, qui t'a demandé pour la police camper sur l'opération. Et appel ça pas affecté l'opération, effectivement. Nous avons une équipe justement qui est là et qui a tendu toute sa capacité sur les réseaux, parce qu'en même temps, forme de aussi toute une mobilisation. Et chacun gagne des responsabilités, chacun gagne des tâches, et notre travail, et notre opération, ça fait nous maintenir au niveau des zones A. Et oui, et son voice qui est tout entendu, et nous-mêmes tout au niveau de direction générale, et tendu tout voice là. Mais tout hier, il faut que nous d'abord ici l'authentification, et voice là d'abord, et pour prendre des mesures appropriées. Un avion de force armée canadienne qui était survolé et ciel pays d'Haïti et information était fait quoi que avion ça était venu en soutien à la police nationale d'Haïti et si c'est possible à dire nous dans quel niveau hein, collaboration hein, et les mêmes idées entre force ça à travers avion ça et la PNH pour opération si là de manière spécifique Ferdinand, nous avons des questions, vraiment des questions qui ont plus d'importance, mais encore une fois, et nous avons été au niveau stratégique de préférence pour que nous participions, mais on a dit que nous avons des collaborations avec nos partenaires internationaux. Est-ce que l'opération a fini? L'opération est finie. Oui, mais. Oui, oui. Non, moi je dis, est-ce que l'opération a fini? Opération maintenue. Tapons et vers Zonta. Tapons vers Zonta. Nous étendons dans Zonta. Alors, manquez au printemps. Oui, alors, pas de parole. Vous prenez une réponse là pour moi. Je demande est-ce que l'opération, ça a les fini. Et j'aime de douleur sur l'opération qui est maintenue. Et sur l'opération qu'il a depuis pratiquement aucun an. Et c'est des heures de combat.
et nous apprêter pour que nous capables pour nous capables continuer le combat. Qui maintenu, c'est-à-dire que son opération cap est continuée, mais nous apprendre et dans lieu côté nous arrivé hier, mieux nous fait bac. Et il y a un témoignage qui dit que bandits ont refouillé tout yo encore côté la police était bouchée pour être rentré. Nous nous recouvrons de ça. Éviter l'homme bloqué pernier depuis la 17 là, la boule de caoutchouc et puis mettez gros camion dans route là. Et on connaît nos cadres d'opération et gagner plus d'analyses qu'on fait et gagner tout. Au moment d'opération, hein, et parce que attention, on a boumé avec des gens qui sont armés, des gens qui sont lourds, armés. Et il faut que nous tenions compte de ça au gain comme matériel. Et tout, nous-mêmes, tout, et même gens tout que nous-mêmes n'avons pas analysé, même les gens qui ont déployé, c'est-à-dire nous-mêmes tout beaucoup de côté par autour. Donc on y a là, c'est nous-mêmes justement au niveau de la police force de l'ordre, que la population fait une confiance, les populations payent nous justement, et pour nous avancer, pour nous maintenir l'opération. Et là, il est extrêmement important pour que nous demandions population, comme toujours, et encore une fois, la sollicité, et la toujours sollicité tout le temps, et collaboration dans le type de travail que la police a fait. Parce que le travail que la police a fait, c'est pour permettre que, ou même capter la radio Caraïbes, ou même capter l'autre radio, ou même qui est dans la population, qui est victime de Mounsaïo. Petit aux victimes, jeunesse à victime, famille victime, il est le temps pour que nous. Côté collaboration que nous avons l'habitude de faire et nous demander plus encore de manière ensemble pour que nous soyons capables d'arriver à faire travailler ça et permettre au fur et à mesure pour capable vaquer le mouvement d'activité. Commissaire Gary Desrosiers n'a pas appelé aussi porte-parole police nationale d'Haïti a confirmé ou bien infirmé ça pour moi. Moi, apprendre qu'effectivement, force l'audio tenant base vite l'homme dans le niveau Pernier à Torcel, mais à un certain moment, il est obligé de faire back parce que vous voulez un blackout, pas de bien courant. Et dans la zone là, ça qui devine mettre en difficulté pour continuer l'opération. Vous êtes capable de confirmer ou bien confirmer ça pour nous, s'il vous plaît? Et vous connaissez des détails au niveau de l'opération qui est très sensible. Il est très difficile pour que nous soyons capables de réunir au public. Mais encore, on a préféré nous à la question de sécurité qui passe simplement la police comme acteur. La police, effectivement, c'est un acteur clé, mais pas simplement lui-même. Et parce que dans d'autres pays, soit permettre que moi capable de faire un petit écart. Et c'est parce que bon ensemble de bagages qui vient déjà. Et j'entends dire des routes, des courants, et tout l'autre secteur qui est là, qui fait travail par eux. Et puis, là, nous permettre que la police est même capable plus facile de même faire travail par eux. Mais j'en doute là, si il y a des blackouts, des côtés, c'est pratiquement des déserts liés. Et là, on comprend que faut policier d'abord protéger tête et protéger tout matériel qui a pu utiliser hein, de manière pour que eux-mêmes soient capables de faire travail. Et ça fait qu'encore une fois, et nous disons que toujours de la population, lui-même, toute population soit élément de la sécurité, ça fait faire appel avec lui et appelle tout à d'autres secteurs qui enchaînent la sécurité. En gros, opération Sayo nous aider de l'armée, surtout le NAP intervenu pour nous craser de murs et. Dernière opération ça nous fait là dans Pernier qui supporte que nous dégaine de l'armée et tout ça qui gagne en termes de aide en termes de support à PNH là pour permettre que atteindre objectif et probablement qu'il fixe et suivant élaboration plan d'opération que le gagne pour opération toute entité yo bienvenue et nous tout nous faire avec. Opération hier, est-ce que tu as fait avec l'armée? C'est ça, Mando. Et si je n'ai pas de tout détail, parce que vous connaissez que nous-mêmes, nous avons d'autres travail que nous avons fait, mais probablement, comme d'habitude, nous avons justement des appuis au niveau engin loyaux, au niveau gros matériel, et nous avons gagné le financement support. Parole et bon partage avant quelques préoccupations des citoyens qui dit que la police a fait opération yo faut que boucler torsel faut gagner un char ou bien un backup derrière académie d'ailleurs
citoyen dit hier la police a traqué bandi yo yo passé derrière académie pour aller tomber pernier gagné yon quinzaine jeunes garçons avec sapate dans pied valise dans dos gros manche longue dans maillot qui passé hier derrière académie pour aller pernier torsel ou bien petit troupeau. Donc est-ce que la police tenu compte de situation ça yo de zone ça yo zone stratégique yo pour que yo empêcher monsieur yo sauver qui était espace côté OTI. Et mon ami guerrier du seul et à chaque opération depuis et opération lui-même est capable de faire un petit camp momentanément et nous toujours font des films pour que nous tenions compte de considérations et si tu as gagné des failles d'écouter pour que nous sommes capables d'aménager dans ça. Et disons, travail de ce côté-là. Et nous avons des voix et nous qui disent ça et c'est certain que l'autorité autour à l'écoute pour que nous sommes capables de tenir compte de ça. Et j'aime nous là, qu'on ne va pas encore répéter. C'est ensemble de matériel que nous avons optimisé pour que nous capable d'arriver et faire l'opération ça. On l'autre message encore qui peut-être qu'a aidé la police. Zamis a dit pour qui ça allait la police a fait opération peigné ou pas à cerner les gros gens, métivier, doko pour empêcher et sauver. Autre gros gens, c'est exit negio pour évacuer les opérations pernier. Jour samedi, yo prend Kenton dans la Kaeli, negio était occupé zone là depuis 5h et 3h. Na matin. Et il dit tout que c'est pas opération ça qui a bail résultat, il y a pas attaqué Negros Pernier, il a monté gros Jean Métivier Doko. Tout temps par une synergie qui déployé dans l'espace géographique monsieur yo, il y a pas attaqué Neg Pernier et il a pas quadrillé gros Jean Métivier Doko, Negio a toujours en force. Donc son message aux auditeurs qui peut être capable aider la police nationale d'Haïti. Porte-parole, c'est pas ton question. M'en vais m'en en précision. Nan avis, nan l'argent que nous offrit sous tête Vete l'homme qui c'est 10 millions gourdes avec des numéros de contact que nous baille, moi nous dit, monde qui a information, acte policier. Est-ce que ça veut dire que policiers concernés par moyen ça qui ont été disponible là? Donc si un policier lui-même libère information, bien lui permet que vous arrivez sur Vete l'homme, la gagne, récompense ça. Justement, notre plan est très clair et j'en ai plus là, c'est exactement comme ça. Prénom, numéro et porte-parole. 29-48-14-14, 29-95-14-14, 29-98-14-14, 29-99-14-14. Parlez porte-parole et tornade 1, jusqu'à présent, toute opération qui fait là, d'un fait en direction Vite. Alors, est-ce que opération ça, les viser, craser seulement, gaz, base craser l'enfer et Vite l'homme à diriger. Justement, les viser toutes fois et les gangs et tout côté et généralement pour ne pas problème. Et tout ça, la police vient pour faire en termes d'opération et ils ont tout entré dans les cadres et mobilisation vient pour ton adjoint. Et opération a fait là sous Vite l'homme n'a pas continué, mais et ben nous on premier bilan de tornade là. Alors vous croyez que bilan ça et si ne pas tromper parce que comme on était juste en train de nous parler de update là et mais et sous site coordination allô la police c'est presque là les disponibles m'a invité justement pour garder les et pour partager les avec auditeurs d'Itricio. Mais normalement, c'est moi qui nous fait les mains, comme nous battons dans nos actes, et ça va être mon petit temps pour que nous capables de retourner encore sur le César. Merci un peu, votre parole. Ok, d'accord. Alors justement, guerrier, moi, je plais tout et féliciter tous les citoyens ça qui fait considération cartographique et concernant les zones qui sont allées au niveau et zones dans celle-là. Et ça montre justement les soucis, justement, de collaboration et citoyens ça et tous citoyens. Et qui t'a en pile information ou bien en pile et conseil justement que t'as aimé et bail à la police nationale et nous très ouverts à conseil toujours et voyez ou bien partager des considérations avec les journal là de manière pour que nous capables d'entendre eux et pour nous capables de tenir compte de eux et pour que nous capables pas et travailler normalement et sans problème. Bon, là nous sommes tendés porte-parole PNH Gary Desrosiers qui souhaite nous ensemble des formations
sous nécessité qui gagne pour PNH pour yo continuer avec opération Tornade 1 qui a porté résultat arrivé démanteler gang rivé et stopper bandi qui a terrorisé population qui pas suspendre mettre de l'eau dans yeux population. Eh bien dans jour qui sont passé là gagne gros débat qu'a fait et même gros sondage qui fait côté gagne près de 70% population 70% haïtien d'accord pour une intervention militaire qui fait en Haïti. Mais intervention militaire ça bagaille ça ba on pile problème pour qui ça parce que au niveau mondial si l'on a parlé au niveau mondial nous est organisation Nations Unies. Mais tout au niveau régional, il y a des manches que pouvoir, gouvernement Ariel Henry a fait pour yon, est-ce que yon te kaj un support l'autre pays, tant coup pays qui membre OEA. Depuis l'heure, Ariel te finale dans le sommet et 7e sommet, c'est la clan. Gagné plusieurs pays qui se membres OEA tant que Jamaïque et tant que Salvador yo même qui répondent affirmative pour yo ta aider Haïti faire face avec pression gang insécurité grand banditisme qui taillé mandat en Haïti. Mais pour nye a en pile mon attend c'est soit États-Unis ou bien Canada qui pour venir aider yo qui pour venir prêter aux mains fortes qui pour venir bailler un coup de main avec question gang nan. Mais Canada lui-même pas beaucoup de parle, gen ambassadeur et permanent canadien auprès des Nations Unies qui s'est bobré, li te dit pour moment là pour qu'on y a question intervention militaire, li pa nan agenda yo, li pa sous table etc. Mais gen persistance secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres lui-même qui dit oui cap battre sous table, faut gen intervention qui fait, faut que les Nations Unies prend position parce que Haïti besoin au pressé. Mais kounye a, est-ce qu'on connaît madame la li m pa bon côté pal la nan moment li lagué de guidon derrière Ariel Henry, il a supporté Ariel Henry à partir de demande Ariel Henry fait avec pays ça qui se pays membre nan OEA. Madame la li m'a 100% là l'a supporté initiative démarche pouvoir démarche gouvernement fait là pour joindre support des séries de pays qui membre OEA même j'ai avec Haïti pour venir aider au faire face avec question gang nan question bandi qui terroriser population. Pour un pile moun hier yo fait connait que et avion CP-140 Aurora il était participé dans opération que la police t'a mené opération Tornade 1 pour arriver démanteler gang vite l'homme nan. Mais nous connaît avion CP-140 là c'est pas avion et militaire de combat lié son avion patrouille cap cartographier cap faire photo etc qui gagne des images satellites li bail pour river comprendre pour river garder de manière géographique de manière et pour river contrôler espace gagnant etc. Est-ce que c'est ça avion te vinn fait directement en Haïti qui ça te vinn fait qui ça pas te vinn fait? Eh bien, il y a un gros débat. Et dans ce moment-là, il y a l'ambassadeur canadien en Haïti, Sébastien Carrière, qui au milieu des débats, parce que vous faites connaître, et l'ambassadeur à lui-même, c'est bluffelier, c'est sous-bluff, etc. Il y a une information, il n'est pas supposé être sous réseau, puisque leur opération militaire a mené le top secret. Ça, c'est position ancien colonel Himmler Rebu. Mais faut que nous tout. Colonel Himmler Rebu, une fois le fin fait intervention dans le Magic 9, il n'est pas son mauvais moment. Parce que le colonel, il était dans l'armée, même qui était l'armée, il y a parti politique gré, il membre, etc. Gros ensemble de décisions qu'a prend pour avenir politique paysan, puisque ça qu'a passé comme insécurité, comme problème de sécurité en Haïti, il lié directement avec choix politique. Il lié directement avec acteurs politiques. Il y a des gens qui comprennent mal que non seulement son ancien colonel dans l'armée, ou c'est un acteur politique par rapport avec par rapport avec parti politique gros c'est membre fluent là dedans et journée aujourd'hui c'est qui sont de mettre sous table qui sont de porter comme solution alternative qui sont de porter en support en fort by PNH by l'armée d'Haïti pour arriver de faire face avec question gang question bandit qui a terrorisé population pas caché dit nous colonel là bas son mauvais moment. Li extrêmement important puisque moi-même t'ai apprécié interview, t'ai apprécié émission parce que là t'es chauffé, il a posé le question, la répondre et dans réponse li yo senti gen lui-même li croit dans ça l'a dit de manière ferme que ambassade Canada a bail menti yo sous bluff etc. Li important pour tande et ou même tout ka position nous. Est-ce que colonel la gen raison? Est-ce que Himmler Rebu gen raison? Est-ce que le pa gen raison? Parce que ça k'ap traverser Haïti là, m'croit li extrêmement important
pour nous jeune support, que le support technique, que le support financier qui a aidé PNH sorti en bas de l'eau, mettez tête li dehors pour monsieur policier, mettez garde pantalon dans ta yo, mettez ça m'connait pour plein pour kembel jam pour arriver démanteler gang, même j'en ai important, nous gon embryon là mais là pour autorité yo pour décider qui ça y a fait, est-ce que l'armée a la opérationnelle ou bien est-ce que le pas opérationnel, parce que chaque pour voyer militaire al prend formation au Mexique, yo voyer militaire al prend formation à l'étranger, là yo vini c'est pas voyer au non coin, faut que yo ka servi pays yo, faut que yo ba yo possibilité, faut que yo ba yo moyen pour yo servi pays yo. En nous tendez ensemble avec moi colonel Himmler Rebu qui lui-même li tap bay position sous avion de patrouille canadien ça qui en l'air cap si on est pays d'Haïti, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, est-ce que Canada a une réelle intention pour aider Haïti ou pour joindre toute réponse yo kounia et c'est sécurité nous pral aborder ensemble avec vous qui première fois n'a pas l'avoir pas d'année nous souhaitons on quand même la situation et une bonne année, bon courage. Oui, merci. On a besoin en pile pour 2023 ça et après et alors cela, nous devons nécessaire pour nous faire un petit dialogue ensemble avec vous, sous et même pertinence, engin militaire sanan, espace aérien ici. Mais avant, colonel Rebu, qui première impression, là où tu es capable de recevoir information ça qui est venu directement du ambassadeur Canada? Bon, premièrement, il y a une anomalie extrêmement grave. D'abord sur le plan militaire, strictement, parce que yon opération militaire, c'est bagay qui mettait sous le sceau du secret. Il n'est pas normal pour entreprendre une activité militaire de quelque nature que ce soit. Par exemple, ça qui fait là, c'est ça, il y a une activité de reconnaissance. Maintenant, activité de reconnaissance, à quel niveau? Est-ce que son activité de reconnaissance initiale? Est-ce que son activité de reconnaissance cartographique, de vérification cartographique? Parce que généralement, lorsqu'on monte une opération dans une zone, vous supposez qu'on ait caractéristiques zone. Non. Maintenant, vous supposez tout vérifier caractéristiques. Donc, c'est ça, une reconnaissance au second degré. Et il y a finalement la reconnaissance spécifique. Ça veut dire que, le par exemple, pour finir tout élément d'information ou décider ou qu'elle opérer dans telle zone, et puis laissons rentrer dans la caractéristique du terrain. Cela veut dire que ça moué en l'air. Si me descend à terre, est-ce qu'elle correspond? Et il faut nous connaître que la technologie a extrêmement développé qu'on y a. Et il y a une pile phase dans ça a eu l'évolution classique, on trouve son terrain que la technologie éliminer ou bien faciliter. Mais généralement, toute bagarre se fait dans le secret absolu. Le seul fait de rendre public une information comme ça, plus une information, vous voyez par ennemi potentiel là, que population est avouée théoriquement protégée. Moi, toujours dit, lui, nature terrain. Typologie moun réel kap opéré, parce que moun réel kap opéré en Haïti yo, c'est pas ti bandi noue ou met en avant yo, c'est pas pile ti moun noue qui gon fusil nan men yo, fusil a pi ou passe yo, c'est pas yo même. Et étrangers yo, les Américains surtout, les Canadiens, par rapport à leur relation avec les Américains, connaît très bien caractéristiques humaines, moun qui met question qu'a organisé toute stratégie de mise en œuvre insécurité en Haïti. Yo connaît yo. Et c'est parce que yo connaît yo qui fait prendre des précautions et yo pas pour te fallu yo venir comme ça. Maintenant, moun qui souterrain qui organise ce qu'on appelle le siège de la ville de Port-au-Prince, ce ne sont pas les bandits. Et yo parle même langue avec moun qui censé abdi a menacer yo. Donc, moi, je prends plus un message que le gouvernement canadien, par la peur qui a toujours habité les Américains et qui habite aussi les Canadiens, c'est pas force, il n'y a pas gagné, non, qui fait peur. Des fois, c'est trop force, il n'y a pas gagné.
yo pa konn ki jan pou yo utilize l, set peur la, yo transmet yon information ba Edbian li menm, pou di range kol un kote, pa soti fè aksyon, parce que nou la nou oblije vini. Donc c'est comme, c'est plus un message adressé aux grands bandits eux-mêmes, car infrastructure que tu as supposé défendre. Parce que le principe général, c'est que quelle que soit nature, opération militaire, l'objet secret. Donc sous un niveau public, c'est pas ça que ça, tout bon raison. C'est quand qu'on a en Haïti, on a mis des mandats derrière moun, et puis on a publié dans la presse que on a mis des mandats derrière un tel. C'est quoi le message? Le vrai message, c'est que mon cher pas mettez nous dans une situation pour nous rencontrer avant, parce que nous avons obligé à arrêter vraiment. Si nous nous au grand la journée, donc à le mettre quoi en côté. Donc, ce n'est pas résoudre le problème de fond que nous gagnons. C'est ça que je toujours dit. C'est dans le cadre de sa réunion cover-up operation. Donc, cover-up operation, c'est un bagage au fait. On appelle ça en français, tu fais comme si. Tu fais comme si vraiment tu allais résoudre le problème. C'est quand Koumda Kabdou, yo filmé des mandats derrière, yo lagué ça dans la presse. Et puis, on m'attend, ouais, commissaire du gouvernement, ben, juge là, débarque avec deux, trois policiers, Vinakaou le connaît très bien, pas là. Mais il vini quand même, tout le monde, elle devine derrière. Donc, si on est échappé, c'est pas lui-même. Mais, maintenant, le gros danger pour la population, bon, finir avec ça. C'est que si on réalise un cover-up operation, yo pral ba population sentiment que yo résout problème non bon sentiment de liberté moun wè yo kap traverser Matisse à l'aise yo capable aller dans le nord etc. Et puis yo pral font propagande pour yo rentrer dans conscience population que problème non résout yo kap tue deux trois ti bandi piti pour ba preuve que faire réaction et puis qu'on yo dit comme problème non résout nous capable faire élection et comme raison faire yo pas veut pour te faire yo carrément apprêté à plat, dès lors que vous finissez faire opération et réaliser opération plus important, faire élection apparemment, il y a pour étirer quoi, et puis, nouveau dirigeant, vous allez confronter à même problème encore, parce que problème n'a pas résoudre au fond, il résoudre en surface, il y aurait les ça, comme si, il fait comme si problème n'a résoudre, c'est ça, il y a une cover-up operation, et étranger, on aurait dit, c'est seule manœuvre que vous êtes capable de faire dans la situation présente. Et nous comprenons le titre là, alors, sauf que moi, dans un tweet, les faits, et, lui mentionner que, alors, il n'y a pas de plus de détails, ou bien il disait qu'il n'a pas fait l'autre commentaire par rapport avec Mission Sarah, qui a fait sa collaboration avec accord au gouvernement. Haïtien comme quoi et information que les disent ou bien les balancent c'est le point de l'iceberg et que tout est capable de dire collaboration ou bien opération que vous voulez mener avec PNH li a fait en secret et c'est ça et je pense que li voulait dire par contre comment interpréter ça bon le même temps de ça on qui est messager coupé cloué vous savez musique couplé que et coupé cloué était celle des douti tête là bah elle a bagage Paul des petites têtes là donc on connaît tout reste là des ça veut dire que sans stress en matière d'opération militaire c'est le secret absolu jusqu'au moment où gagne la première frappe. Si vous parlez de ça, et puis après ça, on dit, ou pape cap parler de reste là, vous tombez dans le théâtre de verdure, vous tombez dans l'anguichat, dans Papa Pierre, dans Alcibiade, pour faire théâtre. Et tout le théâtre, dit, pourtant, théâtre, ça a livré un message certain, dans deux sens. Nous, qu'on est niveau angoisse population telle, que même de l'osati ou pas accepté la vie, puis avec lui, il a accepté Bouel. Donc, il y a un message d'espoir par la population qui est angoissée, qui a tant d'intervention. C'est pas ça le temps, mais non? Mais si c'est ça qui a venu délivrer le diminuant angoissé, il a accepté. Donc, il y a un message d'espoir par la Mounsaï. Ensuite, il y a un message, c'est-à-dire un warning message à monsieur,
Moi connais nous, moi pas vle dans gouma avec nous. Tant pis, m'a vinn là on ti jamais de connon à côté pour me cap faire petit théâtre m'a faire et puis il fini pour nous tout cap sorti gagnant. Son opération gagnant gagnant. Parce que la propagande en matière militaire se fait après l'action initiale. C'est propagande qu'on va faire pour gagner les cœurs. Par exemple, ouais, guerre en Ukraine, non? Pas une personne qui te connaît, à part les Américains qui ont un système de surveillance et de renseignement bien rodé, qui t'a dit que l'opération pral fait, et le pral fait de dans l'imminence. Nous songeons, président Zelensky, t'es même proposition publique, lui dit qu'il n'y a pas aucun élément qui fait quoi qu'il y en intervention militaire russe. Donc c'est ça où il est. À la préparation à la guerre, elle est silencieuse. Les Américains ont moyen pour le connaître. Ils ont dit ça. Mais à l'intérieur de méthodes d'observation classiques, et Ukrainiens n'ont pas de cabouet ça. Jusqu'à ce que le 24 février arrive, ils ont sous l'effet des bombes réellement. Ça veut dire que la Russie a protégé son opération face à l'ennemi qui va l'attaquer. Ben, on l'autre ennemi qui est Jek Pigou, qui est en ouais, qui parlait. Mais évidence classique de tellement pas paraître que l'Ukraine qui directement concerné des jours, pas gain évidence là. Maintenant, c'est exactement même pareil là. Message qui veut nous liguer deux destinataires, la population qui est angoissée, qui t'a aimé effectivement une action faite, et les vrais bandits, parce que je me dis, les vrais bandits qui existaient en Haïti, c'est parce qu'on est dans la rue. Yo. Donc, ils ont averti gros monsieur ça. Moi, connais nous connais moi. Donc, font j'ai les menus pour me rencontrer avec nous, pour nous pas mettre dans le problème. C'est ça, message là. Et ils ont annoncé que l'opération ça l'a faite avec le gouvernement haïtien. Et dernier temps, ça va s'en suivre l'actualité internationale. On a vu gagner américain qui a intercepté un boule, on dit, un ballon chinois dans l'espace aérien américain. Ça qui refroidit, on dit, relation relation deux pays, ça, jusqu'à ce que gagner de visite qui t'a pas le fait en Chine qui pas fait encore. Donc l'espace aérien d'un pays, c'est un point qui est sensible, et dans quel cadre un gouvernement cabaye on l'autre accès avec l'espace aérien, et comment nous devons comprendre ça? Non, mais mon cap dirige en Haïti, bah tout doit déjà depuis le 7 octobre, les yo écrit yo mandé invasion militaire là, yo bay tout droit. Donc nous pas cap tellement étonné que les pas gain violation de l'espace aérien haïtien. Il y a l'entrée de forces étrangères dans l'espace aérien haïtien à partir de demande renouvelée. Non seulement il était fait demande là, il y a le crié devant les Nations Unies une fois, par l'intermédiaire de Jean Généus, il y a le crié encore une autre fois par l'intermédiaire de Antonio Rodrigue, il y a le crié encore une fois et dernièrement là, pendant Dr. Ariel Henry allait en Argentine, non? Ils ont même fait ça et une stratégie de communication Maningueta. Ils ont émoussé dans la figure internationale là, la menace que si vraiment Américain pas voulait intervenir, autant de Le Salvador faire déclaration, il est prêt. Or, l'obgade dans le jeu de la communication spatiale qui fait du point de vue international sous question, hein, même côté Le Salvador que vous connaissez, qui vont savoir faire réel, et cap fait une expérience là, qu'elle est dans le domaine, ça justement, dit lui-même, il est prêt pour l'intervenir. Même côté a yo fait la Jamaïque zon bagay. La Jamaïque dit la police si pare, la mel pare. Mais quand la Jamaïque parle, la Jamaïque parle un pays indépendant, son dépendance de l'Angleterre liée. Et quand l'Angleterre rentre non parole, ou automatiquement ce sont les Américains qui ont parlé. Quel est le message? Américain dit Salvador,
Et faut-il camper ou qu'on est dans zone, ça, c'est nous-mêmes qui commandons. Pas tellement pressé, soit du pressé. Nous voulons voir des nègres pareils, yo, bayo. Ce sont les Jamaïcains. Donc, pas tellement intervenu dans le dossier. Ça, c'est un petit peu pour tempérer les ardeurs légitimes. Pas oublier que, pays latino-américain, yo, pays centro-américain, yo, il y a un sentiment particulier et spécial pour Haïti. Comme le Venezuela, par exemple, l'a toujours témoigné. Donc, laissez type contact qui commence à faire, Tavin mettait au sérieux de l'autre gros pays que nous parlons dans le précaré américain. Donc, il est obligé de défendre ses autres forêts. L'Argentine passait à l'offensive. Maintenant, en ce qui concerne cette boule chinoise que Américains ont premièrement constaté qui dans l'espace, qui dans le ciel, que il prend quelques jours et beaucoup de moments d'hésitation avant yo descendre. Mais la première règle, c'est l'espace aérien américain qui n'aurait pas dû être violé du tout. Et yo fait, chinois fait avec un niveau scientifique et technologique tel que les Américains ont dû le supporter et ensuite yo gérer. Et yo tellement sérieux, yo dit non seulement yo descendre là, mais yo lagué la marine américaine dans les eaux et côté de descendre là pour chercher des débris de façon pour analyser yo. Et au-delà de débris, leur ambition c'est de trouver la boîte noire qui enregistrait des informations du point de vue scientifique et technologique pour connaître exactement quelle information est enregistrée. Maintenant, si c'est vrai, parce que dans toute sorte qui apparaît en matière de guerre, faut te remettre un point d'interrogation sur lui. Gendois sont un ballon qui va gagner la donne. C'est ça, le harassement en matière militaire. Ou poté adversaire à courir attention son sujet qui pourtant vide de façon pour qu'il puisse découvrir, réactionner ou même pour qu'il agisse au mieux. Donc c'est dans le jeu classique de la guerre des nerfs, de la guerre psychologique. Les États-Unis a agi, mais moi-même, je continue donc que les États-Unis continuent de même crainte pour intervenir en Haïti, et le Canada aussi par voie de conséquence, parce que les données qui font hésiter tout le temps, ça continue à être les mêmes. Et le map analysé action ouverte, ça que vous faites, moi, je dis, c'est deux messages, envoyer un espoir à la population haïtienne qui souffre de la situation. Et moun kap dirige yo di yo bèm yo pa gen solution sans moun pou yo rele. Nou même dans des nèg qui te pyromane qui te mette du feu en Haïti a kal caché dans l'OEA. C'est lui même nou tande kap di oui mais qualité du feu ça que m'te konn mette a et li pa passé a moi c'est un série de tibou qui de l'eau d'ap pote vini. Fon vini avec gros tube gros bagay. Donc c'est de communication qui fait ce sujet a qui dit que dirigeant finalement reconnaît que yo pas capable, yo pas gen compétence, yo pas gen savoir-faire, yo pas capable faire rien dans sa ab diriger, mais yo dirigeant toujours. Et que qu'il y a au moins des monde qui ba au job là, c'est nous te mettre chez la sous dom, venez de me lever. Pas venez de me lever, venez lever pour moi. Oui. Parce que si yo t'a diviné de me lever, yo t'a constitué un groupe d'experts, un groupe de monde qui connaît dans domaine en Haïti, qui t'a chita avec étranger yo. Et qui t'a joint des solutions sur le plan stratégique et tactique, qui t'a allégé poids qui soudoit le Canada et les États-Unis, hein, laisse un problème dans ta passée entre Haïtiens et t'a résoudre de manière plus durable. Il t'a peut-être prend plus de temps, parce qu'on a temps d'adaptation à la technologie qui développait au niveau des armes et des moyens d'intervention et au niveau mondial. Il t'a prend plus de temps pour grande adaptation, mais le résultat t'a beaucoup plus sérieux. Ça, yo kap fè banou, yo kap banou, yo fast food, oui, toujours dit, opération fast food, toujours possible, mais c'est au sparade, on mette son beau java, l'on comprenne, c'est quand vous l'on gon douleur, l'on bo yon anti douleur. Ou pas senti bien encore, mais maladie n'a pas éliminé pour autant. Donc, c'est le cas d'Haïti aujourd'hui. Mais en faveur de qui sont-ils? Parce que, je me souviens, n'a pas parlé au fait avec nous là, ou c'est un monde qui parle en faveur, je suis capable de dire, de venir de bottes étrangères sous territoire haïtien. Et comment nous sommes capables de résoudre ça? Parce que si nous regardons l'actualité pendant le dernier jour, ça, la police
ou bien de opérations policières yo mis en déroute surtout dans la Tibonite côté que nous gagnons environ 6 à 7 policiers qui mouri te gagne une pétition ville également te gagne 3 et policiers qui mouri c'est peut-être de preuve de faiblesse institution et policière là maintenant comment contrer et on dit vague insécurité ça et dans le pays bien ou dit en faveur qui ça oui justement moi pas en faveur magique moi pas cap en faveur sans stress moi pas j'aime en faveur pour moi admettre en tant qu'officier de l'armée pour résoudre un problème sur le territoire c'est relé pour me relé à l'invasion des forces étrangères on nous clair sur ça. Elle a clair sur lui en tant que officier de l'armée, patriote haïtien convaincu, et ensuite, un intellectuel de la question militaire, moi pas jamais en faveur d'une invasion territoire pays. Ceci est classé. Maintenant, ça n'a pas empêché que moi réaliste tout. Ça n'a pas empêché que moi connais le ou bien on trouve. Par exemple, quand pour la police nationale, qui n'est pas préparée pour des situations de guerre, qui n'est pas armée pour des situations de guerre, que moun kap dirige territoire haïtien, ou mette à vivre dans la misère absolue, dans la même misère que la population à vivre dans bidonville. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait pour la police nationale, pour ta kap gen moral et au beau fixe, pour faire travail coutumier? On pas prendre des travail extra ça eux que vous pouvez que vous mettez sur boulot. Faut nous ta poser tête nos questions pour qui ça fait nos gros problèmes en Haïti, les relever de la compétence militaire et moun k'a provoquer des ordres en Haïti parce que c'est eux vendam, c'est eux baizam, c'est eux qui des am passé. C'est là caillou les l'argent au fait dans kidnapping dans crime en Haïti que l'argent yo allé au point jodi a yo dit nous oui l'argent yo la caille nous. Tout le monde qui a volé depuis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, depuis combien de temps, même sous Jean-Claude Duvalier, sous Dabdou, la Suisse d'où il y a 6 millions de dollars, la Kaila, 6 millions de dollars, c'est quand vous l'avez dédié à son petit argent pour acheter riche. Je reconnais qu'il n'en met. Donc, il dit, depuis longtemps, il y a une complicité contre le monde qui a volé, qui a pillé Haïti pour aller déposer la Kaila. Et tout le temps, ça fait que je ne dis rien. Maintenant, c'est même monde ça, m'a demandé pour venir aider à résoudre le problème qu'il provoquait. Mais mes amis, bon problème. Pour qui ça a un business, c'est lui qui a fait 4 touches, c'est lui qui a 24 touches, c'est lui qui a 20 âmes, c'est lui même qui a utilisé le territoire pour drogue passer sous lui pour gagner si vous venez la caille. C'est lui même le million saisi, qui prend là avec eux, et il va jamais montrer nos côtés à brûler eux. Et puis c'est lui même qui a brûlé ce problème. C'est quand vous n'êtes fini par mon poison, et puis mal la caille, il dit, il t'a pris, maman, tu dois là. Là, nous connaissons, si nous faisons ça, nous n'en blague. Maintenant, ceci étant dit, qui ça fait la police nationale faite? Et qui ça t'est fait pour la police nationale pas faite? Qui est-ce, moun, depuis plus de 25 ans, qui toujours a accompagné la police nationale? L'homme policier n'est pas capable encore. Il est obligé de déserter, y aller, dans qui pays y aller. Donc, il n'y a pas qu'un observatoire pour être tout ça. Qui bon, yo kon a formé une unité armée, et puis pour yo gagner plusieurs sources. La France fait un peu, le Canada fait un peu, les États-Unis fait un peu. Chaque t'es dans l'armée là, chaque t'es chimé, et vient rentrer. Yo connaît très bien, doctrinalement parlant, yo va jamais faire melting pot ça, pour yo former une unité armée. Donc, si yo viole les règles au départ, yo kon pour qui ça a été violé, et nous, il veut côté de violer là. Ceci n'enlève pas la réalité du courage et de la volonté vraiment de servir qui habitait en pile policier qui en dans force policière. Que si on était bien encadré, on était baillé les moyens pour faire travailler, comment tu peux parler de la police quand tu élimines la justice? Donc, toute élimination faite dans le système judiciaire, non, c'est au hasard fait. Maintenant, comment tu peux demander à l'armée, à la police d'aller résoudre des problèmes de l'armée? Mais moun qui mourit, policiers qui mourit dans Zak yo mourir, ce sont des personnes de courage qui, comme de Rambo, qui allaient dans un job côté condition y aller, y a tout mourir, on va y déplacer. Mais
mais ils font quand même des fois par inconscience, parce que il est très clair, c'est en violation de toutes les règles de toute opération classique y aller. Mais aller. Mais la question, est-ce que vous êtes allé spontanément comme policier qui n'a position dans la rue et puis vous dites au bon problème, vous côté aller? Ou bien est-ce que vous allez sous des ordres de commandant qui décide de vous y aller? Même ces éléments, ça n'a pas gagné, qui ne fait pas prononcer sur ça. Mais toujours est-il, quand tu envoies un bonhomme, 4 mounes, 6 mounes, aller au côté qui a 30, 40 mounes qui armés d'armes de guerre, ou violer en règle de base des opérations. Et il faut nous prendre dans le cadre des opérations militaires, parce que les opérations militaires rentrent dans la proportionnelle de 1 pour 3. C'est que pour un ennemi, il faut avoir 3 attaquants. C'est pas qu'à l'inverse qui fait. Et règle établie, c'est pas par fantaisie établie. Donc si tu violes la règle de base, si nègre la gagne 10 nègres, ou obligé à attaquer avec 30 nègres, et ou tout obligé à gagner 30 l'autre nègres qui tout là, pour si notre 30 nègres attaque initiale ou à gagner, tombe pour tout gagner réserve là. M'attendez, y a dit, moun qui rentre dans l'opération, coup de zamgré tamaye, puis après, il y a un téléphone, vous m'en direz fort. Ça n'a pas existé dans aucun manuel opérationnel. Donc, si les policiers avaient reçu des ordres vraiment pour aller agir dans ces conditions-là, ce sont des sacrifiés. Comme les sacrifiés du village de Dieu. Parce que nous, le sacrifié du village de Dieu était fin fait, nous, pas de monde qui était responsable, qui était dit au voyant opération, c'est au même qui a fait fête avec eux, dans beau bras, c'est bas la main. Et nous, on était une capacité pour récupérer son matériel, mais pas une capacité pour récupérer les cadavres, ou bien pour faire effort. Bah, dit non, obligé de réussir. Parce qu'en matière militaire, la réussite n'est jamais absolue, elle est toujours relative. Ou gen doit gagner, ou gen doit perdre, sont affrontement liés. Mais quel effort a été fait? C'est comme le gouvernement haïtien. Alors, moun qui est en position de gouvernant en Haïti, quel effort ils ont fait depuis 18 mois, même sur le plan intellectuel, pour avoir été réuni de moun, qu'on est dans le domaine pour chita, pour ta conseil ou bien pour travailler, pour résoudre le problème. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont partis des crimes. Ils sont les premiers profiteurs des crimes. D'ailleurs, c'est toutes des autres qui ont fait là, qui fait qu'on permet de retourner au pouvoir pendant 18 mois sans jamais rien faire. Et puis, il y a tout, c'est yok pour être là, c'est yok fait pour là. Donc, pour, par leur complicité dans les crimes contre le peuple haïtien, par leur ignorance, leur incapacité, et surtout par leur jalousie politique en perspective, parce que si il y a des techniciens en Haïti qui résout le problème, ça, il y a vu par la population, comme étant des héros, comme étant de monde admiré, ils ont mieux parlé ça. Parce que ils ont vraie population, toujours, on pile imbécile, on pile ignorant, on pile lâche, on pile volé, tout, qui a crié pour moun vide de eux, le travail, ils ont fait pour des gains pour faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être dedans, parce que aujourd'hui, dans le point de délitement, de affaiblissement que ont mené le pays, on n'a pas résoudre le problème ça à fond, sans l'assistance technique, technologique, scientifique des étrangers. Nous clair. Mais tout, il est anormal que nous demandions que ces étrangers qui viennent faire tout le travail que nous prenons responsabilité pour nous faire. Donc, je ne suis pas dans la position du patriote bête. Moi, comprendre que côté humain, nous n'avons pas d'autre alternative que de nos collaborations avec étrangers. Mais j'ai aussi la conviction que étrangers n'ont pas jamais résolu le problème non pour nous. Ils n'ont pas bien fait ça petit par vin couler là, parce qu'ils connaissent conséquences et gabier pour la caillou. Donc, quel que soit les revenirons, aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, si nous voulons résoudre le problème, non, ce sont les Haïtiens qui doivent résoudre le problème. Et ma fin au dernier mot pour me dire, il y a plus de monde qui croit, il y a plus de monde qui espère que résoudre le problème qui est là, c'est marcher tuer tout petit bandit ou mettre en avant, yo. Ça aurait été une très grande erreur, ça n'a pas solutionné le problème, non? Parce que grand pile monde qui bandit, je dis, c'est quand vous petit, nous l'avons cabillé. Parce que nous avons abandonné dans la crasse, dans la misère, dans la saleté, aucun espoir. Même j'aime dans des spots là, pas spots, intervention qui est une dame qui fait. Kabaye toute explication sociale dans le bagage nous. Nous avons l'État qui a abandonné les citoyens. Ou t'as même dit, qui raillit les citoyens.
qui vivent dans la crasse, dans la misère, sans éducation, sans aucun espoir pour vivre. Donc là où mon père lui offre un corps, il faut moi pour qu'à manger un spaghetti demain matin. C'est lui qui balille. Et puis après ça, demain matin, le balle aux âmes. Ou à dire pas prendre, qui j'ai pour le faire pas prendre. Et je dis à ces gens qui sont demandés pour me faire une stratégie mal tuée. Non. Je ne peux pas faire une stratégie pour mal arrêter les gens qui font problème d'exister. Hein? Parce que la mission de l'État n'est pas de chercher à tuer ses citoyens. Même les gens sont bandits. Job l'État, et c'est ça la police apprend, c'est arriver à neutraliser les gens, mettre l'autre côté pour répondre à la question de la justice. Mm-hmm. Donc, nous ne pouvons pas prendre problème dans la tête en bas et puis nous mélanger les gens qui provoquent problème non. Avec mon cap subi problème non et puis nous comprenons nous cap blender au tout non c'est blender pas marcher comme ça. Donc la position est très claire, nous n'en sortirons pas sans l'assistance de l'étranger mais l'assistance intelligente qui pourrait permettre de résoudre problème non vraiment et non faire mascarade cap mettre dans avion cap voler cap faire reconnaissance cap dire la faire reconnaissance ça c'est théâtre de Verdun nous ou bien impérial nous dans le cinéma Rambo. Mm-hmm. Et position la grande pile monde qui partage elle si d'après ça c'est gain de divergence sous ma venue de botte directement sur territoire et sous et assistance là et on assistance on dit technique j'en dis là gagner les très difficile pour rejoindre de monde qui en pas d'accord sur point ça maintenant gain de monde qui était vrai que nous posons question ça en tant que colonel assistance ça consistait en quoi concrètement. Et parce que de manière générale, moun yore me dit, on assistance technique, yore pété l'ampile. Mais concrètement, qui ça nous doit gagner? Est-ce que nous doit agir ou bien aller avec? Alors, est-ce que nous doit considérer force publique que nous gagnons là? Ou bien est-ce que nous doit faire de mobilisation? J'en ouvre là où c'est fait là. Alors ça, c'est de opinion m'a pu mettre là, de opinion que tout le monde gagne. Et pour nous accompagner avec assistance technique là qui peut-être ou pral un petit détail pour nous hein. Comment faire? Bon, en ce qui concerne assistance technique là, métier que m'apprennent que me connaissent et que me respecterai ou pas permettre moi parler de ça. Moi cap parler de ça avec des et pas parler de ça devant n'importe qui dirigeant haïtien. Parce que grand pile de dirigeant haïtien c'est eux mettre business voler. C'est yo mettre business population y a pas assassiné. Au point que les assassiné en masse. Ou non pays, gen des bay qui passe en semaine, gen 200 300 moun ki mou pas tande un moun k'ap dirige pays a dit quoi que ce soit. Donc ce sont les complices des assassins. Les vrais assassins c'est eux. Mm-hmm. Parce que c'est eux même qui étaient là pour protéger population. C'est eux même qui étaient là pour te premier crier les gon petite population mourir dans mauvaises conditions. Nous assister, nous ouais. Dans une semaine, deux jours après que des policiers perdu la vie ou gravement, j'en ouais ça passé, ou un monde qui a dirigé le pays après avion, il virait de l'alflané dans le pays étranger, et il n'a pas dit un seul mot concernant policiers avant le déplacer. Cela veut dire quoi? C'est le mépris de l'autre, le mépris de la souffrance de ceux-là qui ont perdu un être cher. Dans tout pays normal, on va être constat arrivé. Autant pour les dirigeants, il n'est pas déplacé, même s'il est pour déplacer. Maintenant, si par extrême, il est obligé de déplacer quand même, en fin de déplacer, il t'a présenté une excuse à la population. Mais ça vient d'un pays maintenant. Mais des obligations d'État obligées de me déplacer quand même. Mais qui initiative moi prend? Moi, je dis d'abord, je présente sympathie à mon soeur qui perd du mari, petit, et papa. Moi, connais son problème. Mais qui disposition pour chef de la police là, maintenant quelques bombes au rapport, au retour, et pour dire qui disposition il y a prend, moi obligé de déplacer, mais pour me tourner, je prends des mesures pour me rencontrer avec vous. Mm-hmm. Si ça t'est fait, ça passe en d'aéroport, pas t'a passé. Parce que mon cap dit, j'ai cap dit, il y a conscience que là, il y a un problème. Il n'y a pas de solution immédiatement, mais il n'y a pas mépriser le problème. Et c'est pas, c'est mépris ça. Qui explique ce qui est passé à son retour dans l'aéroport. Et après ça, on vient de souffler en tout, qui va aller plus rapide, nous sommes munis d'appeler, faire coup d'état, etc. Pour faire coup d'état contre Ariel. Pour qui ça? Ariel, il y a tout l'Amérique avec Canada, et là, on dit d'abord faire coup d'état sur les gens qui sont. Et d'après que, ou t'as fait coup d'état contre, t'as bon, l'autre Ariel, même côté, il n'y a pas imbécile. Maintenant,
c'est toute souffrance ça que propre dirigeant imposé à toute population. C'est là le vrai problème là. C'est deux volets qui cachent, qui mettent deux volets à cravate, que comprennent les gens sérieux. C'est quand on voit bagaille, on prend HCTA, qui ça veut faire? On prend des gens qui comprennent des populations comme des gens sérieux, on met dans la figure pour continuer à faire même théâtre, continuer à boire sans population. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il faut, ce qu'il faudrait, ce qu'il faut faire sur le plan stratégique international, comme officier, mon devoir de réserve. Parce que en matière militaire, en matière de défense d'un territoire, on ne parle jamais, jamais, jamais de son effectif, de son équipement, de son matériel. Ou qu'à parler avec un qui parle le même langage avec eux. M.C. Mabdomaga, M.C. Si je dis à un pôle technique national qui rencontrait avec des techniciens de l'armée américaine, de l'armée canadienne, nous chitan parler, ça nous dit à. Ça ne dit qu'il est nécessaire pour résoudre le problème, il ne peut jamais le répéter publiquement. Parce que l'éthique métier n'a pas permis ça. Oui, là, on peut parler, on peut dire qu'il est nécessaire. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on parle d'équipement, de matériel, à chaque équipement, à chaque matériel offensif, il y a un équipement, un matériel que même fabricant fait pour la défensive. Cela veut dire que même Jean Yo fait un missile, c'est même moun qui fait missile là qui font zam anti-missile tout. Donc si vous déclarez ça gagner ou tout bay moun qui en face ou a information pour la chercher contre. Ces affaires du soit moun a parlé de matériel, de équipement, de armement, ou troupe qui gagne pour le défendre tête li, soit moun ka bay blague, soit moun ka fait diversion, soit moun qui nan guerre psychologique, c'est pas moun ka parler bay sérieux. Nous m'a permettre en opinion que deux monde nous partager ensemble avec nous et peut-être voulez que ou ta essayer de porter des éclaircissements ou bien pour ton réponse par rapport avec ça et gain de monde qui dit certainement il y a autant des points de vue pour et points de vue l'autre que de l'autre monde partagé et il y a connaît les vrais responsables de cette insécurité. Et on connaît que en un claquement de doigts, si vous voulez résoudre li, il y a pas résoudre li, il y a pas voulu que de botte rentrer sous territoire ou bien fouler territoire noir et il y a en faveur d'une coopération technique. Mais maintenant la question qu'il se pose c'est qui alors vers qui tourner ou bien se retourner parce que là n'a pas gardé dans région et américain et moun selon ça nous pense qui véritablement et a gagné de moyens pour aider nous c'est les pays les deux grands géants de l'Amérique du Nord et moun sa yo entre parenthèses nous vraiment dit c'est yo responsable sur là maintenant et est-ce que selon vous même nous devons retourner ou bien est-ce que n'a besoin appui ça nous solliciter ou bien appui ça que nous souhaiter appui technique ça vers moun sa yo est-ce que li stratégique tout pour nous retourner et nous vers moun sa yo et colonel écoute tu vois les questions qui président à la gestion d'une nation. Ce sont des questions qui n'ont jamais, il n'y a jamais d'absolu. Et son règle de Villiers. Et Guillaume Bagakidou, rien n'appartient définitivement à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Pas qu'un monde qui est définitivement faible. Pas qu'un monde qui est définitivement fort. Ça dépend de qui ça moun yo pense. Ou dit, par exemple, il est très clair que les États-Unis, le Canada, et plusieurs autres pays en complicité avec ça qu'a fait là. Et c'est pas nous-mêmes qui dénoncer non, c'est eux-mêmes qui dit non ça oui. Là par exemple, un pays d'où li sanctionner tel monde parce que mon nan té nan trafic drogue depuis 20 ans y a suivi li et li saisi comme moun ça. Comment le fait saisir comme moun nan? Li gelé comme moun ça. Comment le fait al gelé comme moun ça? S'il pas connaît côté comme là. S'il pas t'a suivi depuis combien de temps, comme là t'a fini de déposer là. Donc, là, ça t'a fait là. Il pas de connaître, c'est ton monde qui t'a dans activité criminelle. Comme ça pas te déranger là. Et comme richesse là, que le vol est la caille là, c'est la caille moins, il vient de déposer là, on peut pas parler de ça. Les bagages là sont pour le virer mal. Moi, je fais une propagande, je dis, comment me fait saisir qu'il pas dans même? Et comment il te fait dans même depuis tout ça, je ne peux pas dire rien.
Donc, pas de moralité en matière politique, en matière d'intérêt stratégique. Maintenant, pour qu'il y ait un monde qui en face, qui puissant comme les États-Unis, qui puissant comme le Canada, sont gain des stratèges qui pas accepter principe faiblesse là dans tête yo mais qui connaît une bonne solution qui concerne toute une nation pour venir là, il y a le jeu stratégique pour arriver avec. Gain des bon qui t'a travaillé sur dossier. Ou t'a pour les États-Unis t'a courir rapidement ba yo ça a besoin pour résoudre problème. Non pour qui ça? Parce que autant les États-Unis li nan côte avec la Russie. Ou pas ouais toute zame la baille l'Ukraine toujours dit puis toujours met une restriction gain des lignes pour nous pas traverser pour qui ça la fait propagande l'a dit la Russie fait mais le compte s'est menti li connaît tout faible il pas besoin à l'attaquer la li parce qu'il connaît bon bagaille li gain en main que le pour mettre un jour mettre le tout pour dans un dernièrement nous connaît toute misère les États-Unis fait le Venezuela passé. Nous songe qui position et les États-Unis te gain face à moun et monsieur tête Mario ou replace sous passer moi dit hier soir et que même je te dis yo gain pour faire tourner des paria peut-être journaliste là été assassiné dans Istanbul là ou pas ouais les situations posées même les que tu t'as fait tourner paria au marché al bal la main et c'est pas des ministres de voyons c'est président Biden même moi t'allé. On va parler de Arabie Saoudite alors leader. Moi dès qu'on est plus jeune passé me cerveau puis bon passé mon tabédé mais bon deal. Et après ça les bois marés en Ukraine les commencer ouais conséquences au niveau du monde problème et gaz et pétrole va produit pour pas gagner des guides faire des mettre costume sur yo albaïlan mais avec Maduro pour qui ça parce que devine faible non. Parce que Maduro fort, faible ou bien parce qu'il est fort? Non. La force et la faiblesse sont toujours relatives. L'idabon n'a tête pour nous gabagir. Maintenant, pour répondre à ta question, vous dites, comment faire nous t'as penser que c'est même on qui t'a profité de l'argent d'ailleurs? Même Sébastien Carien qui a fait superstar en Haïti, n'importe où presse là. Ou bien elle dit que l'argent, ça a eu des volets ensemble avec volets qui ont déposé au Lacayo et au Canada. Il n'a pas pris tout le bail à Haïti, mais il a fait humanitaire avec lui. Donc, maintenant, c'est même les gens qui ont demandé, qu'on a pour demander pour le résoudre un problème qui est bon pour lui. Mais mes amis, il n'y a pas besoin qu'à faire. Par contre, il y a des situations dans le jeu stratégique, dans le déplacement des plombs, des pions sur le plan géostratégique, qui cap fin vers, ah, mon cher, bon, nous pas gagner, ça va continuer. Bon, il me l'a dit, ils sont mon fou, du coup, on est le et 15-20 techniciens dans tout domaine que le cabrilé pour monter une stratégie. Bon, on faut sortir dans base, quitter mon fou ça à fond bagarre et puis après on a tué monsieur Videva. Il a fait. Maintenant c'est qui si c'est des monde qui a pleuré, à crier, à plaindre, à dire pour des bouquets de l'eau. Il y a des bouquets de l'eau t'a porté, il y a pas ton petit tas de l'eau baou. Mais si au contraire il y a gain des monde qui connent de qui ça a parlé. Qui a ou beaucoup je me côté type IPT a fait pression sur Negonet eh ben dans la Bible madame David définit pas résoudre problème na Goliath il n'y a pas de limitation dans le cerveau et des gens décidés mais qui rationnel c'est quand on dit par exemple quand on pas d'accord avec bot rentrer dans pays c'est vrai mais en 94 les bot ont rentré on pas dans le suicide des têtes mais parce que un bot qui est entré. Parce que, en tant que militaire, moi, pas là pour m'aborder des questions sous angle, ça me da un mère. Me fait pour m'aborder sous angle, ça qui est. Et m'a fini pour me dire que le problème haïtien a des solutions beaucoup plus faciles que nous t'avons imaginé que nous t'avons. Quoi? Parce que le problème que nous voyons se manifester dans la vie et de la citoyenneté au quotidien, ce côté nous est manifesté, c'est pas l'allié. Ma bon dernier exemple. On va remarquer qu'on flou kidnapping qui a fait sans arrêt, c'est presque une folie gain pour faire kidnapping. Pour qui ça? Parce que le Canada, les États-Unis, a mis des restrictions sur ce côté problème d'absotia. Il y a un pile monde sur le plan économique et financier qui a des craintes. De grosses séries de liberté ou pas baille tête,
Et comme système n'a toujours besoin de cop, donc je dis il y a pour le kidnapping. C'est justement un bagage qui dit nous qui bon problème là. Donc si nous besoin résoudre lui, c'est pas en bas pour nous résoudre, c'est pas petit bandit dans la rue pour nous chercher à le tuer, c'est pour nous monter, pour nous gagner courage, pour nous arrêter, mettre à répondre question à la justice moun qui mettre d'œuvre bagage qui passer. Ou pas ouais. Et dernièrement, là, dans le président Jovenel Moïse, vous pouvez rentrer carrément, vous venez prendre quatre mouns qui mettent question dans le là, et tout système juridique là-dedans, que vous avez en confrontation entre mouns, c'est avec deux mouns, qui menu fouettés, qui étaient participés de manière directe ou indirecte dans le criminel, pour que ça vous venez prendre là bas. Parce que la manifestation de la vérité, qui doit gêner un pilote moun. Donc, vous coursez. Et moi-même, moi pensais son bagage normal dans le jeu et tactique sur le terrain. Si mon bagage me capte pour défendre tête, moi, m'a fait. Donc, moi-même, moi, quoi que, et moun nous grand Haïti cap diriger là, yo, bon, bah, même besoin de parler avec yo, parce que yo, d'abord, la première chose qu'ils auraient dû avoir, c'est la volonté de résoudre le problème. Ils sont des vicieux, ils sont des voleurs, ils sont des lâches, ils sont des incompétents et ils sont des menteurs. Et puis, gros mentir, bah, nous, c'est mentir installation de matin à 11h, un bagage cinématographique que les HCT, que vous prenez le bagage, vous comptez très bien son mentirier, mais vous campez dans ce figuino, vous bah, nous, quand même. Donc, c'est là, les patriotes ne doivent pas pactiser dans le mensonge qui anéantit la population. Et là, c'est un rôle que Mme Aniga choisit, en pas choisi. Yo balil, ils ont imposé l'île, l'y accepté, l'y assumé, avec toutes les conséquences de l'histoire. Colonel Rebu, merci un peu pour disponibilité ça, au te accorder Magic 9 et matin, son plaisir pour nous faire parler ensemble avec vous. C'est moi-même qui remercie, on nous dit population, pas découragé, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui parlent les Rebu, mais qui ont même caractéristique, qui ont volonté pour colter la question et chercher des solutions. Napfel, comme tout ça, l'ouverture l'avait dit, le retiré M. Domingue, nous font gros actes, c'est vrai. Mais la signe profonde et nombreuse, ça pourrait pousser. Nous avons besoin de quelques tout ça, l'ouverture en Haïti aujourd'hui. Bonne journée. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et bien, on agit. Désespoir de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le faire débat.